Eh bien, l'histoire de ce voyage remonte à une douzaine d'années quand le ministre de la Défense de l'époque, André Flahault, a demandé à l'Institut, en collaboration avec la Défense, de mettre sur pied une opération permettant à des jeunes de faire connaissance avec l'horreur au camp d'Auschwitz. Nous avons fait ça la première fois de manière un petit peu artisanale, évidemment. Il a fallu essuyer les plâtres, si j'ose dire. Mais depuis lors, c'est une opération tout à fait bien rodée, qui se répète tous les ans grâce à la générosité de la Défense et en particulier de son ministre de la Défense actuel, qui a ressenti tout l'intérêt du projet et qui a accordé son soutien à ce projet. Et donc, depuis maintenant une douzaine d'années, chaque hiver, aux environs du 27 janvier, date de la libération du camp d'Auschwitz par l'armée soviétique, nous venons avec bon an mal an, entre 170 et 200 jeunes pour une visite à la fois du camp d'Auschwitz I, du musée d'Auschwitz I, et une visite du camp de Birkenau, visite qui se déroule en une journée et qui est entièrement gratuite pour les écoles et pour les participants, ce qui n'est pas le moindre de ses intérêts, évidemment, vu la distance qui nous sépare entre la Belgique et la Pologne. C'était un rêve de venir ici, donc je suis très contente de venir. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était voir un peu tout ce qui restait, que ça soit les cheveux et tout ça, et se dire, ah oui, en fait, ça a vraiment existé, c'est réel, parce que oui, on voit des films, des reportages, on en entend parler et tout, mais c'est vraiment quand on est sur place et tout ça qu'on se rend compte vraiment que c'est réel et on en prend plein dans la tête. Et voilà, moi je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué. Je suis très contente d'être venue ici et j'espère vraiment que ça va plus se reproduire parce que c'est vraiment, on se demande vraiment comment l'homme a pu faire ça. Aujourd'hui, on est au Canada. Aujourd'hui, on est au Canada.